J'ai pas le CEF. J'ai pas le CEF. Ça, c'est une légende. Tu l'as jamais vu de ta vie. C'est un ancien roi, Habibi. C'est le premier homme sur la nouvelle communauté. C'est le Messie Hadi. Le Messie Hadi. Hani, t'es où? T'es où, Hani? Le roi, là, t'es où? T'es enfermé encore? Ils t'ont mis quelque chose dessus, j'y crois pas trop. On est aux sources avec Jésus. J'ai demandé si t'étais le Bedi, si t'étais le Mehdi. Ils ont répondu, figure-toi qu'ils ont répondu. C'est une farce, ils disent que c'est une farce. Ils disent qu'on n'a rien du tout si on te fait confiance. Ils disent que c'est pas juste tout ça. J'ai réfléchi, j'ai dit c'est un homme. C'est un homme dans l'histoire, là, dans l'histoire. J'ai réfléchi, tu vois, de les avoir parce que je connais. Je connais d'où vient la majesté, je connais d'où vient la majesté. Je sais enfin lire dans les cieux. Je peux reposer mes épaules. Je suis enfin guidé, guidé sur la voie de l'exemple. Je connais tout, tu vois, je connais tout. Ça m'ennuie pas, tu vois, ça m'ennuie pas. J'ai enfermé tout le monde, tu vois, j'ai enfermé tout le monde. On dirait que c'est pas juste, c'est pas juste. En fait, ils sont pas tellement enfermés. Quoi, tu reconnais le libre? Tu le reconnais à sa vie. Tu le reconnais à sa vie après. À sa vie après. Où est la vie? Où est la vie après? Après le code du peuple. Après les envoyés. Du sceau de l'imam. Mahdi. C'est dans les fermes que se trouvent les personnes. Dans les campagnes. À vouloir avoir plus d'économie. C'est dans la justice que se retrouvent les grandes histoires. C'est pas loin du chemin que j'ai pris, tu vois. Les enfers, tu vois. Ce n'est pas très loin non plus pour ceux qui veulent abaisser l'autre, pour le laisser sans raison. Sans raison de pouvoir même monter, monter pour voir au-delà de la terre, ce qui se produit quand le Seigneur vient. Si vous empêchez les petits d'entrer dans le royaume de Dieu, vous serez vous-même empêchés d'y rentrer, mes voleurs. Et là, je te dis, c'est la ficrate, c'est l'idée. Elle est la voie musulmane. C'est vers l'assemblement des causes qui mène tous les peuples au droit chemin. Plus de viols, plus de meurtres, plus d'enterrements. Vous allez ressusciter dans le nouveau monde. Vous allez être de nouveau équitable et juste. Vous serez sensé, bien que vous ne l'étiez pas auparavant. Vous deviendrez intelligent bien que vous puissiez être auparavant ignorant. Vous deviendrez cultivé et vous aurez envie aussi de connaître et de faire entendre la Palestine. Vous connaîtrez quel était l'islam. Vous connaîtrez quel était l'ajustement de notre communauté pour le dernier religieux qui mène à notre destination. Vous renforcerez notre source. Vous redeviendrez des alliés. De la ville, vous commenterez aussi le parti qui mène à la connaissance. Vous conduirez aux sources du peuple, aux sources de la maison, aux sources du grand prophète. Le juste est parti et sur notre communauté, la voix des anciens, la voix des libérations, la voix des grandes solutions. Un est fermé, un autre est ouvert. Un autre est ouvert, un autre passera l'heure suivante à vouloir le faire. Et on est dans une succession. Il y a tout un régiment qui veut apprendre à savoir pourquoi. Et au pays, nous sommes la terre, la sainteté du penseur, de l'unique dans l'univers. Rien du tout, rien, ça c'est rien du tout. Et je voulais te signaler que c'était pas un plagiat, mais c'était pas non plus la paix. Tel qu'on l'avait dit, c'était enfermer l'autre, parce que c'était pas juste. Sur la connaissance, on a réalisé que c'était un prophète. Et le père a enseigné. Il a enseigné par un régiment. L'histoire, elle se déroule ainsi. On n'a pas envie de suffire à tout le monde. On veut suffire à la fin des jours, c'est tout. On veut suffire, on est le groupe de la fin. On est sur le temps de la fin. On est sur la religion qui mène tout le monde au droit chemin. On est à la fin dans les quartiers. Dans les quartiers, on a le peuple, on a la cité.
On est le mouvement, on est aussi l'activité. On retourne à la voie droite, on retourne à la maison, on renforce notre équipement, on renforce notre croyance, on arrive enfin à la dernière volonté d'Almadi. C'est réduire tout simplement les injustices et mener à la nouvelle rencontre avec les nouveaux arrivants de la souveraineté. Et il y en a plein de nouveaux arrivants, c'est des calculateurs, c'est des génies moraux, c'est des scientifiques, connaissances, c'est des libérateurs du temps promis. Et voilà, vous avez les vérités. Je suis là, je dénonce les capacités. Les capacités, voilà, c'est des capacités. C'est aujourd'hui la révélation des capacités. C'est des grandes capacités spirituelles, c'est mondial. Ça touche le monde entier. C'est des grandes victoires qu'on a actuellement. On est capable de voir et entendre jusqu'à des contrées même lointaines. On est dans des religions, on est l'exemple, on se tient dans des causes. Et il y a des hommes qui nous font connaître. Il y a aussi des peuples qu'on peut renseigner à l'avance sur le destin. On est en fait des avertisseurs du coup. On est aussi des protecteurs. On protège l'envie de croire partout. On est le descendant de la fin des jours. Et on comprend que c'est l'imam, le messager, dans toute la connaissance. Et c'est là la vérité qui nous a unis. C'est là qu'on s'est retrouvé dans le messager. C'est ensemble qu'on va faire la victoire. Elle est sur le chemin, le bout de l'histoire. Mohamed Abdallah, voilà. La différence, c'est là, on éclaire le chemin, on veut que ça soit fait, mais quel messie, tu vois, quel messie à la fin. De savoir que ce n'est pas juste, tu vois, ce n'est pas juste. C'est un homme, en fait, qui n'est pas libre. On dirait que tu m'as saisi, mais ce n'est pas juste alors d'avoir les seins. C'est le corps seulement qui est libéré normalement du peuple. Et si on va jusqu'au trait final, on trouve derrière nous un homme qui n'a pas été là depuis l'ancien temps. Et c'est le retour, ça, vers les compagnons, vers la dernière lignée du temps promis. C'est le Rajul Allah. C'est le Rajul Ali. Le Rajul Ali, c'est pour voir tout le cerf, de le fem fem, d'avoir le head, de connaître le head, le head, c'est nos femmes, c'est nos femmes, c'est nos femmes, c'est nos femmes. On fait des évidences avec la pile, Stine. On fait du corps, on sort du Coran, la fin des jours. On est le père, on est l'idée de la connaissance. On fait des films, avec ses fins, du choix, de m'aider. De penser le peuple, de penser au retour, avoir la paix, de penser à la fin, avoir le corps. Et surtout, tu ne fais pas de différence entre toi et ce qui vient de Dieu. Tu espères que ce soit le bien. J'espère à la fin qu'on ait la pompe sur le chemin, la pompe de ton imam, la pompe de ton imam. C'est là la toute descendance. Toute ta descente et le bon chef et vis ta vie en personne. En personne, vis ta vie en personne. C'est trop long, là, si j'ai à faire toute la vérité, c'est trop long. C'est un remerciement que je veux, un remerciement. Et vers le compliment d'Allah, l'argument maintenant d'Allah. Le compliment à Allah d'abord pour avoir fait toute la différence entre nous et aussi la victoire. Et pour nous, sur la maison de Dieu, les derniers à convenir du bienfait, sur la dernière souveraine alliance. Là, je veux parler des bien guidés. Mais ce n'est pas vrai, tu vois, il y a tant de vérité. C'est chéri, ce que tu veux pas voir, c'est un homme. C'est toute la journée que je le fais. C'est ensemble, normalement, qu'on va le faire ensemble. Elle est venue de très loin, sans ciel, moi,
Pour demain, je n'ai rien dit de fortuit. Je suis là pour vous éduquer ou vous envoyer des promesses. Avec les peuples, c'est un temps qui promet. Le Fils est censé vous donner l'ami, le retour vers la paix, le sentiment de l'idée, le corps qui vient à l'humain, le Fils d'amour, le Fils dans l'étoile, le connaisseur de la venue en terre, de la protection du royaume, le Fils dans la victorieuse, l'appel donation du cœur, le fin des temps, le grand jeûne, la connaissance du roi, le sentier de l'étoile, l'étoile du prophète. La Mecque, eh bien, c'est terminé. Au-dessus est maintenant mon père, dont le monde peut être envoyé par la fin des jours, sur la volonté du prophète, et le monde et sa venue dans l'époque de la meilleure victoire du Shoah, de notre connexion avec le peuple palestinien. Et les Rasoul Allah. Là, je veux dire le fils de Hani. Tu ne l'as jamais vu dans ta vie. Et si j'ai le fils en plus de Maryam, tu l'auras dit. Voilà, tu l'auras dit. Ça passe dans les informations mondiales. C'est aujourd'hui dans la communauté. C'est le fils Habibi. C'est dans le corps actuellement, c'est un faux messie si je dis le contraire. C'est une fausse divinité. C'est un personnage, seulement un personnage. Tout à fait, tu vois, la fête, pas loin d'être aux anges, pas loin d'être sur la dernière lune de miel dans les entrées de la conscience, du plaisant royaume vers la plus grande estime, du quartier vers le peuple qui sème la bonne nouvelle de la justice, à l'heure du rendez-vous à la porte des figuiers de la maison, le rôle de la dernière souveraine alliance, le peuple qui mène à la dernière connaissance, le royaume rétabli de la Mecque, le sens des fils de la bannière, le penseur de l'illumination, le roi de la fondation, le Christ enseignant la paix du messager, le rôle des fils en serviteur de la communauté, le rang de la dernière souveraine amitié, le connaisseur de la paix dans les fils de mon ami, le protecteur de la victoire, le gentil compagnon de l'Orient, la justice vers la dernière annonce du quartier sur la fin des temps, du rôle de la dernière volonté du grand prophète, le sentiment de l'alliance, la victoire sur les mondes, le retour vers la terre sainte, le temps de la promesse, les grandes connaissances du souverain, de l'amour et de l'islamique, rang de la conquête du Resoulallah. Bon, on n'en parle plus, on a avancé. Le Messie en vie et en vérité, c'est le peuple et c'est la seconde où tu déclenches la fin du temps. C'est le retour vers la paix. C'est le sentiment de Jésus. C'est le Père ancien.
C'est le retour vers la Mecque. C'est le roi dans la victoire. C'est le sentiment dans les vraies prophéties. C'est les protections sur le peuple. C'est la fin des jours maintenant dans le monde. C'est le royaume dans la pensée du prophète. C'est la religion sur la terre. C'est un roi normalement qui sait. C'est l'homme, tu te souviens qu'il le sait. C'est le justicier quand tu vois Jésus et que tu sais qu'il est à côté de la maison. Il est sans hésiter le Père qui voit à côté de chez lui que c'est un homme qui connaît. Mais que t'apporte alors ta connaissance? Eh bien, c'est un fort pour l'amitié, la mort et l'islam. Ouais, d'accord, mais j'en ai rien à faire. Je suis enfermé, moi, dans le Père. Il m'envie tout le temps. Il me dit tout le temps que c'est un messie. Elle me fait confiance que je n'ai rien dit. Dans les vallées du Sauveteur, la pensée est pour les frères et sœurs. Dans la joie du Mehdi, le courage est la maison de la bonne compagnie. Aujourd'hui est la réponse. Tu fondes ton choix dans la vie après la seconde de la mi dans la Mehdi. Tu réponds à la compagnie. Elle est la fin du monde. Elle est le retour vers la fin. Elle est le fond de l'imam Mehdi. Elle est le peuple et sa pensée du peuple. Et le père de l'amour et de l'islam vers la couronne et la connaissance. Et le règne de la connaissance du peuple, la foi dans la conduite de ton père. C'est enfermé, on dirait non. C'est Messie, voilà, c'est Messie le rêve. C'est enfermé tout le monde, si non, non, non. C'est Messie le rêve, voilà. Le rêve de mon père, c'est Messie. C'est enfermé la foi, ce rêve, c'est la foi. C'est le rêve de la vie éternelle, c'est celui-là. C'est enseigner pourquoi. C'est le même m'a dit. C'est la dernière fois que je le dis. C'est le grand. Le grand, voilà, le grand. Le grand pro. Le grand prophète. Dans l'imam. Qui reprit tout le monde sur la Palestine. C'est la ville qui devient estimée. C'est le peuple qui est le chef. C'est le roi qui le don, c'est la Mecque qui le sentier, c'est le retour qui est l'amitié, c'est le fils qui est le royaume, c'est le père qui est le fidèle, c'est le temps qui est le promis retour, et c'est la vérité qu'on promet en retour, c'est le terre habitinal de la vie, c'est le grand serviteur de l'amitié. Du peur, en fait. Salim. Selim. Salim m'a dit. Elle m'a dit, Mohamed. Donc, on libère la personne d'abord du prophète, voilà. Et la personne est reprise, elle est reprise. Et on a peut-être la destination, on pense peut-être que le père est ressuscité dans le cap. Dans le cap, voilà. Et on pense c'est dans le cap qu'il est ressuscité. Avec les grands capables, là. Les grands qui sont capables. Et là, on a la vérité. Si on a le scientifique, on a la vérité. C'est roi après dans les capacités. Donc il faut directement enfermer, si on veut, l'autre, là. Qui voulait nous empêcher, en fait, toute cette avancée, voilà, de la grande connaissance et aussi du grand peuple. Il fallait libérer l'autre, il fallait le libérer.
Je te dis adorable, tu vois, c'est l'adorable. Le m'a dit adorable, mais c'est pas vrai, tu vois, tu l'as jamais vu dans ta vie. C'est un corps seulement qu'on te fait jeune. Et tu as envie de l'être parce que c'est connu. Mais c'est fait rien, c'est fait rien du tout. C'est un personnage, je ne perds pas une miette. Hein. C'est une faux messie, on dirait un peu un faux messie, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Il faut dire que c'est normalement le père et le fils qui sont rassemblés dans le corps à un moment donné. Ils sont rassemblés dans le corps. Et en fait, on ne perçoit pas ça à l'œil nu, mais en fait, c'est le père et le fils qui déjà reviennent. Voilà. Ensuite, c'est le pays, voilà, c'est le pays où c'est l'imam. C'est l'imam que le père et le fils doivent connaître, l'imam. Et s'ils font l'imam ensemble, ça devient en fait un scientifique roi. Ça devient un scientifique roi. Et ensuite, s'ils font le calife ensemble, ça devient une puissance. Ça devient une puissance. Et s'ils font rien ensemble, ça devient juste un corps. Ça devient juste un corps. C'est comme si tu te trimballes tout le temps avec un autre corps et que tu veux savoir qui c'est. Et à la fin, tu sais plus trop qui c'est si d'autres le font aussi. Donc il faut que tu rappelles la personne, on rappelle l'ami, voilà, on rappelle le père, pour que la personne revienne, voilà. Puis on lui dit de faire encore, voilà, de faire encore le père ou fils, et de faire ensuite encore imam pour faire roi. On lui dit de faire même calife pour faire en fait puissance. Et on veut savoir si le père va le faire. Voilà. En fait, notre don de ressusciter la personne, oui. Mais notre don de rappeler la personne, alors la rappeler, tu comprends? Donc Annie, on te rappelle. C'est bon, on rappelle Annie. Et on veut la Palestine. Parce qu'on veut aussi la résurrection de la terre, de Palestine, voilà. Avec, effectivement, les Palestiniens. Et le Palestinien, bon, s'il est reçu, quand il ressuscite, il vient en Palestine, par exemple. Il vient en Palestine protéger tout le monde. Il vient protéger tout le monde. Dire que c'est un islam. Et dire aussi que c'est une connaissance après lui. Et là, on a tout le monde après le prophète. On a tout le monde après le prophète. Mais c'est trop courant. Si on discute de ça, c'est trop courant. On a perçu que ce n'était pas exactement ça qui se passait. Il faut répondre que ce n'est pas exactement ça qui se passe. Dans le quartier, en fait, on a. Non, c'est pas ça. Dans la ville, voilà, la ville, on a répondu aussi que c'est Mehdi ici. Donc là, je suis pour Annie, voilà. Je suis pour Annie. J'ai fait le rôle et j'ai su que c'était vrai. J'ai fait le rôle, je me suis souvenu que c'était vrai et j'arrive à dire ce que je veux. Je sais que c'est presque Annie. Je sais que c'est presque Annie. C'est pas loin, tu vois, on n'est pas loin. C'est l'âme d'abord qui était ressuscitée, je pense, certainement. Puis c'est le corps peut-être qui a été ressuscité, mais alors quelque part, voilà ma parole, hein, qu'il a été ressuscité quelque part. Et je pense, Dieu a le secret sur la recréation du corps ou sur le transport du corps. Après après l'ordre d'Allah de le faire retourner, voilà. C'est comme un ordre, tu vois, que Allah donne, et après ce sont des promesses qu'on fait dans le temps des promesses. Et puis ensuite, c'est une histoire. Une histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire. Donc c'est une histoire pour la personne aussi. Et à la fin, c'est une histoire pour nous tous. Mais attends, il y a un truc qu'on ne t'a pas dit. La personne, où elle est, tu comprends où elle est. On suppose qu'elle est quelque part. On a l'idée de savoir qu'elle est enfermée à un moment donné et qu'on doit la libérer. Et en fait, il y a un autre mec qui voulait l'enfermer. Donc du coup, lui, il faut l'enfermer, tu comprends, à la place de l'autre. Et c'est pas doué, tu vois, c'est pas doué. Il faut comprendre, c'est un jom, un yom, c'est un jour. Et là, on est au jour, tu vois. Et le yom, c'est toute la vérité. Le yom, c'est toute la vérité. C'est dans toute la vie, tu vois, qui c'est le yom. C'est dans toute la vie que c'est le jour. C'est dans toute la vie. Donc le yom de la kiyama, c'est le yom de la résurrection. Yom de la grande vérité. Yom de le grand. Tes mains. C'est la vérité, ça te pense, le grand imam. J'ai dit le grand chef. Le grand chef, tu vois, le grand chef. Et le grand peuple. Grand peuple, grand peuple. Et je personne, tu vois, j'ai personne. Je suis à Père. Je suis à Père, là. Je te dis, c'est personne, tu vois, c'est personne. C'est un film, seulement c'est un film. La résurrection, on l'a, on a aussi fils de Marie, on l'a, et on a à la fin Mehdi Montadar. Et donc on a le Père, tu comprends le Père.
Et c'est en fait l'enfermer pour l'instant, s'il ne comprend pas qu'on n'a pas les faits, on n'a pas de faits. Là, c'est, on dirait, quelqu'un qui veut s'exprimer sur les faits. Mais en fait, quel fait? Tu comprends, quel fait? C'est des miracles. Quel fait tu veux faire? Monsieur, le royaume est fait de faits. De faits, oui. De faits, ben oui, mais il faudrait trouver des faits. Des faits qu'on puisse donner. Ou des faits qu'on puisse faire. S'il y a des miracles, des faits qu'on puisse faire. Mais tout à l'heure, c'était des faits, par exemple. Mais c'était quoi ces faits? C'était des paroles prononcées, tu vois, dans la royauté, dans la résurrection, comme ça. C'était des actions qui se passaient dans les visions, voilà. Où Allah demandait d'obéir, il demandait d'obéir, il demandait par exemple de chasser le porc et de dire de pousser la pierre, de pousser la pierre, de dire de faire reprendre la paix, reprendre la paix. Et après on dénonce même la paix, on dit qu'il n'y a pas de paix. On dirait que la paix, tu vois, signifie la guerre parce qu'en fait il utilise la paix comme une guerre. Il fait la guerre en utilisant la paix, tu comprends? Donc en fait ce n'est pas vraiment la paix, c'est une guerre. Et après la guerre apparaît pour certaines personnes comme la voie du salam. Parce qu'ils n'ont pas d'autre voie pour la paix plus tard que de va d'abord obtenir la victoire. Et en fait, tu comprends que c'est un sens d'interprétation seulement. Si la paix alors est vraie paix, tu vas me dire que ce n'est pas une vraie guerre. Mais alors, il faut avoir la vraie paix dès le commencement. Est-ce que cette vraie paix est en fait un faux, tu comprends? Un faux mahdi qu'ils ont voulu inventer, par exemple. Plein de miracles comme quoi elle va ressusciter tout ça. Elle va reprendre vie, t'as vu? La pierre, il n'y en aura plus, il n'y aura plus de pierre. Il n'y aura plus de pierre. Pour enterrer, il n'y aura plus de pierre. Ce sera un nouvel homme, tout ça. On parle comme ça que c'est vrai, tu vois. On parle comme ça que c'est vrai. Vous n'avez pas tout vu, hein, d'Allah, vous n'avez pas tout vu. C'est des grandes alliances. Et l'alliance a un pouvoir sur la terre. Et la terre obéit même à l'ordre d'Allah. On lui dit de s'ouvrir, elle s'ouvre. On lui dit de trembler, elle tremble. C'est comme ça dans l'alliance. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. L'alliance est éternelle. Allah ne renie jamais l'alliance. On lui dit de ressusciter à la terre, elle ressuscite. Elle donne une nouvelle terre. Elle donne des nouveaux peuples après. Et c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Je pense le faux mec c'est une tentation et en fait on dirait tu vois que c'est un réaliste tout ça mais tu veux savoir mon bout de pensée c'est ne pas trop le faire souvent parce qu'en fait on dirait que c'est ça mais après tu n'as pas forcément les solutions l'histoire en fait elle vient un peu tu vois comme ça tu viens à la table tu bouffes le croissant puisque tu veux connaître l'islam tu sais le croissant vient de l'islam. C'est pareil, je pense, pour la résurrection. C'est des miracles. Ça vient du croyant. C'est là le signe d'Allah. C'est déjà quelqu'un. De ressusciter, c'est déjà quelqu'un. C'est déjà la vie des croyants. C'est déjà le messire. Mais monsieur, on n'est pas d'accord, ce vizir. Sans vizir, on n'est pas d'accord. On veut qu'on pense. Elle est déjà là, elle est déjà là, le père est déjà là. Oui, d'accord, je le laisse venir. Bon, je le laisse venir. Mais il va venir quand? J'ai rien du tout s'il vient, hein, rien du tout. C'est enfermé, c'est enfermé, tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai. Pour les jeux, c'est pas vrai pour les jeux. C'est pour enterrer, c'est vrai pour enterrer, tu vois, pour enterrer. Oui, c'est ça. Tu te poses la question si tu es infidèle et tu trouves peut-être c'est pas infidèle s'il y a des moyens. Il y a des moyens, voilà. On veut qu'il y ait des messies, des messies. On veut toutes ces scientifiques qu'on science là. On la veut responsable, pour l'instant responsable. On veut que ça se fasse, on n'est rien, tu vois, on n'est rien, pourquoi faire? On est dans le mur là, le mur pour l'instant, mais bientôt on avance, on est en haut là, on est en haut. On plaît, tu penses au regard, non? On est en fait dans le rang là, dans le rang de la connaissance là. On est fils, tu vois, on est fils ou bien,
Oh bien, oh bien. On a permis des choses, on a permis des choses. Comme le parti déjà. On est enfermé, tu penses? Bon, on est en fait c'est surtout élevé dans la manière de connaître, se connaître et c'est savoir aussi pourquoi le père revient. Le père revient parce qu'il a besoin de vous tous, il a besoin de vous tous. Oui, d'accord, je le laisse venir. Bon, je le laisse venir. Mais il va venir quand? C'est rien du tout s'il vient, hein? Rien du tout. C'est enfermé, c'est enfermé, tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai. Pour les jeux, c'est pas vrai pour les jeux. C'est pour enterrer, c'est vrai pour enterrer, tu vois, pour enterrer. Oui, c'est ça. Tu te poses la question si tu es infidèle et tu trouves peut-être c'est pas infidèle s'il y a des moyens. Il y a des moyens, voilà. On veut qu'il y ait des messies, des messies. On veut toutes ces scientifiques qu'on science là. On la veut responsable, pour l'instant responsable. On veut que ça se fasse, on n'est rien, tu vois, on n'est rien, pourquoi faire? On est dans le mur là, le mur pour l'instant. Mais bientôt on avance, on est en haut là, on est en haut. On plaît, tu penses au regard, non? On est en fait dans le rang là, dans le rang de la connaissance là. On est fils, tu vois, on est fils, oh bien, oh bien, oh bien. On a permis des choses, on a permis des choses. Comme le parti déjà. On est enfermé, tu penses? Bon, on est en fait, c'est surtout élevé dans la manière de connaître, se connaître, et c'est savoir aussi pourquoi le père revient. Le père revient parce qu'il a besoin de vous tous, il a besoin de vous tous. On pense que c'est une montagne de conneries, tu vois, une montagne de conneries à un moment donné. C'est un fils, tu vois, un fils qui voit les choses là-haut, là-haut. Tu vois tout depuis là-haut, en fait. C'est pas tricheur, mais en fait, c'est un peu planificateur, tu vois, planificateur. Dans le mouvement, c'est un peu planificateur. On se met en règle, pour l'instant, on se met en règle. On se met en règle de l'unique, là. On se met en règle de l'unique. Parce que c'est pas vrai, tu vois, c'est scientifique. C'est scientifique. S'il n'y arrive pas, c'est pas vrai. Donc, faut en fait un acteur pour y arriver, un acteur. Et c'est ici que le jeu se déroule, le jeu se déroule. C'est avec un grand plaisir que je me présente comme la première ville, c'est le nom, ça c'est le nom. C'est sur le Kadir, c'est la bénédiction, tu vois, la bénédiction. C'est le premier projet qu'on a fait, c'était un projet sur Jésus aussi, c'est un projet sur Jésus. C'est le fils de Mary, c'est lui qui faisait un peu ce projet aussi, un peu ce projet. Et je me perds dans le coin, je te raconte pas. C'est des délires, tu vois, des délires qu'ils ont fait là-dessus. Ils ont déliré complètement. À la base, c'était un prometteur. Mon père, c'est un prometteur. Il promet des choses scientifiques, même scientifiques, qui se réalisent. Bientôt, ils vont connaître que c'est un grand acteur aussi, un grand acteur. La personne de mon père, Ndamiré, je la veux, Monsieur Montella. Je la veux aussi en haut, oui. J'alerte Annie d'aller même les prévenir. Je suis là pour dire que mon père était souffrant et généreux. Généreux jusqu'à la fin pour la Palestine, généreux jusqu'à la fin. Et c'était toujours le généreux pour la Palestine et même pour les autres. Je veux dire, là-dedans, il y a la forte connaissance. C'est tous les jeunes qui sont aussi généreux, tous les jeunes qui sont aussi généreux, qu'ils aient la bonne naissance, qu'ils aient le bon peuple, la bonne religion. C'est ici que se joue toute notre connaissance. C'est avec les peuples qu'on retient la vérité. Et ce père palestinien donne l'exemple. Comme Mohammed lui-même nous a donné l'exemple à tous les musulmans, d'être généreux, généreux jusqu'au bout, et de tendre la vérité jusqu'au bout, et de ne pas fléchir en face de l'adversaire, mais de lui montrer avec plus de savoir quelle était l'entente avec la bonne concordance des prophètes et le parti des jeunes zéros, les zéros de la Oumma. Votre justice n'est pas sans prescription. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit votre
choix, même dans la nouvelle demeure, la grande certitude de votre envoi dans la cité qui compte, c'est le Messie à jamais, le Messie Abdallah. La religion est forte, même dans l'action de la nouvelle connaissance. Vis ta vie le temps que je trouve sur mon chemin la plus belle récompense. Ne soumettez pas avant d'avoir reçu l'ordre de ne pas connaître. Surtout, ne faites pas semblant, je le saurai. Ne faites pas hésiter ceux des nôtres qui sont confiants dans la maison. N'essayez pas de me tromper, sinon je l'aurais su. Votre descente n'est pas fortuite, ni même le Seigneur qui vient du long dirigeant. Votre rencontre avec les hommes est sur la terre la dernière ascension du bien au levant. Votre retour est parmi nous la tête et le sentier de la guidée. Votre justice est pour la solution du Mehdi, le retour vers l'ascension du guide à l'éclat de la miséricordieuse, la promettrice, le sens de la génératrice, la force de la guidance, le jour de la protection, le temps des élévations, le rang de la solution vers la lumière de la rencontre dans le territoire de la vie équitable du modèle. Et le peuple appuie ses mains sur le dernier guide qui mène à la droiture le sentier de la nouvelle connaissance du parfait guide de la loi. Le sens est donné à la maison. Même le retour est pour notre idée le mur dans la réflexion d'obtenir nos ressources. Vous n'avez pas 2 minutes pour vous rendre au serviteur. Même les plus croyants savent se rendre avec la loi dans la façon d'être fier, aussi d'utiliser la bonne rencontre avec le bon argument, le bon dirigeant à la bonne étude de la connaissance. Vous n'entendez pas que c'est utile le retour pour ceux qui veulent rassembler, aussi ceux qui veulent unir, même ceux qui veulent bénir et ceux qui veulent payer aussi quelqu'un. Votre personne est-elle sage pour ne pas suffire? Mais augmenter l'inspiration dans notre voie qui mène le plus grand choix à l'heure de notre rendez-vous avec les nouvelles naissances dans la Oumma de la nation et au-delà la conquête de notre versée, le parti de notre distinction pour avoir derrière nous les hommes et leur connaissance du dernier protecteur de la venue. Le sens est promis comme la protection pour les hommes qui veulent vivre dans l'enceinte de la religion. Même les gens qui n'ont pas tout dit sont en fait à l'écoute de notre nouvelle destination pour le royaume, le retour, la circulation de nos unions dans la vie fraternelle des frères et sœurs, des pères et mères, des fils et des filles de la nouvelle rançon de notre prophète pour la dernière communauté, la dernière alliance, le dernier jour, la dernière jeunesse qui mène nos pas jusqu'à la direction, le mur dans la libération du grand peuple,
le sens dominant notre vie, mais pas notre existence, dans la nouvelle cause que nous reprenons pour former notre victoire à l'aube de la nouvelle royauté du grand projet de notre au-delà. La vie vers l'homme qui a la patience d'attendre et de retourner avec nos valeurs dans la victorieuse, la promettrice, la génératrice, du fondateur, de l'accomplissement vers notre science qui est élévatrice de notre niveau vers les plus grandes solutions que nous promettrons et la plus grande justice que nous apporterons. Notre parti est un porteur. Nous portons les femmes qui osent unir notre règle et le sauveur. Fatima Andela, est la mère des sages. Aussi, la culture de notre union vers la maison qui mène à notre retour. La fin du jour est notre conciliation. Nous reprenons juste la distance et nous ramenons à la dernière communauté. La vie dernière est notre leçon. Rien. Tous les rien, t'as compris? Apporte-moi de quoi boire et je te donnerai de quoi vivre. Je sais pas longtemps de quoi tu es fait, mais je sais à la fin que ce qu'on a établi. Je n'emporte pas tout à la fin. Je peux te laisser apporter au commencement. Il faut rester sur la bonne direction, mais connaître le mouvement et le sens qui nous unit. Le retour vers notre parti, le retour vers notre ambivalence de régler notre cause vers la maison qui mène notre promesse. Le temps promis, nous refondons la foi. Nous étudions le sens profond d'Allah. Nous étudions les liens de l'amitié, mais nous faisons le parti sur le dernier causeur de la victoire. Nous résistons le temps de la royauté. Nous repensons à la résurrection. Qu'est-ce qui nous a menés si loin dans la cause qui refonde notre Coran. C'est le mur dans l'idée de nous rétablir. C'est le peuple qui nous a fait réunir. C'est la force qui nous unit, le bras qui nous dirige. Vers la fin des jours, le peuple qui nous unifie. Le corps qui n'est pas sain sans la loi et le guide qui est pensé comme le temps de l'exception. Et voilà, Al-Karoumi, voilà, c'est ça. Al-Hayy, Al-Kayoumi, voleur d'éléphants, c'est le voleur. C'est toute la descente que tu viens de faire sur un seul verset. Elle n'est pas vraie, ta descente. Elle est honorable, on dirait, dans un peuple. Je veux te dire, si elle est honorable dans tous les peuples, elle est en fait les gens qui ascensent de tous les mouvements vers la seule guidée. C'est le miroir, ça, de la destinée. C'est pour nous les prophètes. C'est la grande succession, c'est le Messie jeune, le Messie connu, c'est la vérité promise, c'est le verset en vérité du prophète, c'est le bon prophète de tous les peuples, c'est vers ta vérité qui n'est pas juste, vers l'histoire qu'ils ne veulent pas écouter. Vous ne voulez pas entendre les fausses directions des juges qui ne mènent pas mon peuple à ôter le fardeau, à leur rendre enfin la concordance dans leur mouvement vers la dignité et l'honneur de la nouvelle destination du prophète,
Le cœur de la maison, le cœur des histoires, le cœur des libertés, le cœur des jeunesses, du sauveur, le roi qui vit trop longtemps, les partis et leurs connaissances de l'histoire, vise ta vie vers le merdier que tu m'as fait dans l'honneur, le justicier pas loin des épreuves, le rôle de la nouvelle intelligence, là, tu vas pas me dire que c'est juste honorable, c'est pour les doués, c'est pour les sages même. C'est pour ce qui se fait de mieux en termes du Mehdi, le Mehdi Abdellah. Venez à Rayen. Vers ta grande solution, elle est le grand peuple qui mène à la religion l'entière façon de se comporter, bien entendu. Mais je n'ai pas le temps de te rassurer sur ta cause. Il faut passer les nouvelles promesses. Les anciennes connaissances font aussi notre alliance. Le représentant de notre parti est évidemment la longue existence, mais le peuple n'a pas tant de façons de se considérer. C'est l'ancienne façon de régner. C'est le père, ça, qui m'a donné encore pourquoi. C'est le juste parti pour l'instant. Si on continue, c'est les évidences qui ne sont pas encore compagnons du peuple, c'est les évidences qui ne sont pas compagnons du peuple, sont les personnes qui ne veulent pas le croire, le rôle de la dernière solution du Seigneur pour la tête et les livres sur la dernière connaissance. Oui, il y a cette cause où ce n'est pas la réalité historique qui prédomine, c'est une autre réalité, c'est la réalité juste actuelle qui se veut en fait plus concrète que le reste des promesses. Et en fait, l'actualité n'est pas contrôlée, vous pensez? Elle est en fait un peu trop contrôlée. Elle est vers une descente à un moment donné de la communauté et on veut que ce soit la finalité, mais on voudrait vous amener. Est-ce que vous êtes prêt à partir pour ce dernier règne? On ne vit que grand, les anciens forment des corps. Par l'imam, nous étions Al-Mahdi. Par Al-Mahdi, nous devenons l'idéal de la maison de l'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed. Les pères, rien n'a donné Mehdi. Les villes de Mehdi, la période amie de l'Orient. La vérité, le Messie Abidine. Et l'imam Mehdi Abildine. Al-Madine, le chemin de la prononciation. La vérité, la prochaine porte du prophète. La dette est connue, le personnage de l'imam, la Biladi Messie. La ville est Mehdi. La prononciation de la ville, le retour des lettres du savoir, le rencontre de la royauté, la conduite des rappels, le commandement des sentiers de l'imam, la libération de la réalisation des chefs au sens de la protection du groupe de partisans, la communauté d'un roi apparent et caché dans l'exception, le sens de la maîtrise de l'heure et la façon de mettre en Abu Mohammed les événements, la conduite du réalisateur de l'ami Abi Mahdin, la conquête de Mohammed Odin, la victorieuse à l'islam du signe de la loi, la conquête des territoires du Messie à la fondation du Mehdi, la promesse des prophètes, les prochaines vraies attestations, le retour de la connaissance, la réalisation, la refondation du quartier du califat en connaissance des vérités et des causes, même de la circumambulation, le visage de la descente de l'Oumma, la victorieuse édification, le musulman à la mosquée de l'imamat des prophéties, la lumière sur la course du visage de la conduite des terres, la face du roi de la nouvelle conquête, nom de la communauté des guides parfaits, génération en successeur de la véritable divinité, partie du roi, la sortie du monde, la montée de la loi au père de la conductrice du repos de la politique, des prometteurs en année en avance de la protection du règne, en apparition de l'idée de la solution, en souveraine direction dans les clarifications du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le temps de la prescription des habitants de la coranique cité de la monnaie de nouvelle libération et guidée. Le parti de Dinsi, mais sans les considérations. Même pas la voix n'est pas louable. Même la pelleté n'entend rien de ma condition. Le plus jeune, mais le plus attendu des peuples, tu es dans ta connaissance. Avec moi,
Tu gagnes la partie. Tu changes le monde. Tu redonnes vie à l'inconnu. Tu changes la vie. Tu redonnes victoire à la volonté. Tu vis ta vie. Tu rends vrai ta venue dans la victoire. Personne ne me fait ça, c'est bon. Je menais tout le monde pour savoir quelle était notre volonté et quel votre pouvoir. Je ne m'emporte pas, je n'ai pas tout dit. Je veux dire à volonté qui est le bienfait. Je veux dire dans la tête qui est la bonne idée. Je veux dire à la fin qui m'a mené à concevoir mon reste. Je suis sans cesse. Je suis en vérité le sentier. Le sentier des estimés. Je vis ma vie, je vis mon estime. Je vais au paradis, je vais sans vous dans le retour. Je suis désolé, je n'ai pas de messie. Je suis désolé pour vous tous. Je ne pouvais pas m'absenter, je n'étais pas sorti sans annoncer. Je veux restaurer tout, je veux allier mon choix à ma période où je vous fais rendre compte. Je suis aussi juste la bonne évidence. Je suis le retour, donc je peux vous guider jusqu'à l'obéissance. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout fait, je ne fais pas tout de moi-même. Je suis la porte du rappel. Eh ben voilà, Rayad. Eh ben. Amin Abdullah, mais ça ne veut rien dire sans moi. Je vais essayer de me concentrer sur la vérité. Ce n'est pas vrai si je ne l'ai pas fait. Le corps de la pensée. La pensée est le clair du chef. Vite, vite, avant que je ne vise le choix. Vite comme si je n'étais pas là-bas. Vite comme si tu n'avais pas de responsabilité. Vite comme si le monde ne t'avait pas dominé. La vérité, c'est un homme qui le domine. C'est une carte dont il a besoin dans sa ville. C'est une réponse que j'ai donnée à la maison. C'est dans la carte de la dernière leçon. C'était pour avoir les maisons, les façons de ce qu'on sait. Disait, même les voix, les mystères, la maison. La dernière merci. Le retour vers le juif, le midi. Le représentant vers les maisons, le midi. La vérité, c'est l'enfilement de la coutume quand il n'y a plus de récits pour exprimer nos grandes histoires. Mais bientôt, nos histoires vont être là-bas. Nous retournerons au prophète. Le prophète justice. C'est un fils de merde, rien. Te laisse pas faire, dénonce-le. C'était quoi? Un fils de merde? Une leçon que j'ai pas dite? Non, c'était la dernière façon d'enseigner. C'était le peuple qui ne voulait pas renforcer. Sans la puissance, l'économie de la nouvelle chance. C'était retourné par la puissance. Bon, tu reviendrais à une valeur. Tu reviendrais à une science. On comprendrait qu'est-ce que tu fais. On devinerait même quelle est ton inspiration. Je n'ai pas tout fait, je n'ai pas tout dit, ça veut dire. Je dois encore faire, j'ai du temps devant moi pour agir. Je ne suis pas seul sans hésiter, je ne suis pas libre d'après qui.
d'après le code du peuple, d'après les lois, d'après les anciens, d'après les prometteurs, d'après le siècle alors, d'après la nouvelle enseignante du Khalif. C'est la région, ça, qui enseigne, tu penses? Les renvoyer, il faut les renvoyer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de renfermement sur le sol, qu'il y ait une libération et ce soit dans l'espoir. C'est vers le haut de la direction, c'est dans la connaissance du Saint promis, c'est le verset que j'ai sorti. Touche, c'est le corps. Le corps, c'est l'enfer si tu n'as pas la solution. Vise ta vie enfin qui n'est pas la mienne. Vise ce que tu penses qui n'est pas le temps promis. Je ne peux pas tout dire, surtout tout faire. Vis jusqu'au dernier moment ce qui te reste à croire, comme joie. Vis à la fin ce qu'ils te veulent tous. Et bonne chance si tu n'as pas raison. Bonne évidence, par contre, si tu as la bonne libération, la solution, c'est passé, je pense, le monde, avoir raison, donner vérité.